pour la découverte d'un jeu qui s'appelle Shaitan. On va aller tester ça ensemble. Ça peut être... ça risque d'être catastrophique, hein. Je préfère vous le dire. Il y a moyen que ce soit cata. Vraiment, pour le coup. Alors, attends. Voilà, 40% de volume. De ce que j'avais vu, tu vas aimer. Bah, j'ai regardé un tout petit peu. Ça a l'air rigolo. Donc voilà, merci l'heure. C'est une émission où on va tester des jeux très pourris. Idéalement, les plus pourris possibles. Le but, c'est de se taper des barres. De vraiment rigoler sur les bugs, les trucs mal faits et tout. Le but, c'est de passer un bon petit moment. Et à la fin... on définit ce jeu, est-ce qu'il est un best-seller, tout simplement. Comme je vous ai expliqué, si c'est vraiment flingué et qu'il obtient des crottes d'or, c'est un best-seller officiel. Première fois sur best-seller, surtout que c'est le nouveau format, donc maintenant on ne fait qu'un seul jeu sur best-seller. Avant je sortais 6-7 jeux, mais le problème c'est qu'en une émission j'épuisais tous les pires jeux de l'année quoi. Donc c'était pas ouf, tu vois. Ok. Est-ce qu'on est parti pour la découverte de Shaitan? Oh putain. On est parti ou pas le chat? Le chat? C'est toi qui me dis. Déjà la musique, c'est censé être un jeu d'horreur. C'est censé être un jeu d'horreur. Tu sais que là, juste la musique pour le menu, j'ai envie de mettre une crotte d'or. Hein. Non mais vraiment. Hein. Non mais vraiment. Allez, c'est parti. Let's go. Je crois que c'est censé être un jeu d'horreur. Une story à propos d'Adam et du Shaitan. Est-ce que c'est vrai qu'on a été sur Terre avant qu'Adam mange la pomme, je sais pas quoi? Est-ce que c'est vrai que le Shaitan est responsable des choix d'Adam? Tu peux le comprendre, mais on va voir si on arrive à passer le test, ouais. And remember after that you will be thrown on earth where you will be with Shaitan and his servants. Il est défoncé, c'est Adam à gauche. Why God allow me to eat everything? Oh putain de merde. Is it because it is not good for me? Why am I getting these strange thoughts? If I wouldn't be alone here, I would think that other person is with. Oh, on a déjà deux problèmes. La qualité de son du micro du mec. It is not your fault, but it is me. I want to help you. To get this forbidden apple, which will give you immortality, you must raise your hand with which you agree to give me control of yourself. Okay. Listen to me and raise your hand. What? Now Adam is sent on the earth. Okay. Your mission is to help Adam. Okay, ça sent la merde. Oh putain, ça sent la merde. Ça sent les toilettes là. Believe in yourself. Il avait une pomme dans la main. Do not choose Shaitan. Mec, ça sent les chiottes publiques, je te jure, attends. Ah là, oh là là, oh là là. Ok, chargement, ok, bon. Merci pour le sub. Ok. Et bonsoir. Comment va le meilleur des streamers et la meilleure commu? Attends, je crois qu'il y a un problème, des fois le ciel il disparaît. Le ciel il a disparu deux fois déjà là, au cas où. Les FPS ils font peur aussi. Oh putain, 58 FPS. Ok. Bon, graphiquement attends, faut que j'en vois plus, mais attends. Oh putain. Oh, on a une caisse, dissidente là-bas, regardez. On a une caisse selon la distance, elle est là, elle est pas là. Ok. Bon, on peut sauter. On peut se baisser, et on peut même t-bag, mesdames et messieurs. Attends, Mossisco, merci pour les 31. Tu fais plaisir, merci Mossisco. Ok. Visiblement, il y a un digicode ici. Enfin, pas un digicode, j'ai plus compris, un lecteur de cartes. Hein? La caisse fait chuter l'FPS, tu te fous de ma gueule. 55, 53. Ah non, pas tant que ça. Zéro, merci. Oh, on peut remettre le follow only de 0 minutes, s'il vous plaît, par contre. Les modos, si c'est pas déjà fait. Est-ce que vous pourriez faire ça, s'il vous plaît? C'est vrai que j'ai pas pensé à le remettre. Ah bah, ça doit être bon, normalement. Ok, c'est déjà fait. Pff. Excusez-moi le professionnalisme, Dave Driver, pardon. Bravo. Ok. Clic gauche pour ouvrir les portes. Ok, attends. Cet effet de fumée est d'un réaliste absolu. T'es à 59 là. Ouais. Ok, qu'est-ce que je dois faire? No flashlight in equipment. Ok, ça c'est le Horror Engine.
C'est vous qui avez fait ce bruit? Non, me dites pas que c'est dans le jeu. C'est pas dans le jeu, si. C'est une vanne? Hein? C'est quoi ça? Quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ah ouais, c'est ah ouais. Ah quand même. Oh, y a une note là. Password attend to the inventory. Ok. Résolvez et entrez le bon password. Alors, il faut savoir que cette note là, regardez mon compteur de FPS. Ce bout de papier fait littéralement chuter de moitié mes FPS. Je suis à 25 FPS là. Ok, 12, 10, 12, 13. Ouah, c'est chaud. Ah oui, c'est ça, regardez, c'est redevenu. 12, 10, 12, 13, ok. Je vois le bon côté. Je pourrais enfin dire que je terminerai un jeu d'horreur en solo. Attends. Ok, il faut keycard. Et attends. Si je fais ça. C'est bizarre. Je sais même pas qu'est-ce que je fous là. Attends. Il fait la mèche. Pas une autre porte là. Ok, c'est pas une porte avec interaction, c'est de la merde. Ok, qu'est-ce que j'ai là? Rien visiblement. Bah qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah attends. Mais non. Faut pas sauter sur ces trucs là. Qu'est-ce que c'est? C'est censé être des chiffres ça? Parce que... On dirait un 5, un 4, un 9. Obligé de finir le jeu, c'est ça? Flashlight. Oh oh. Ah ouais, c'est Lui, il dégaine la flashlight comme Zoro. Enfin, comme Lucky Luke, plutôt. Ta. Je sais pas vous, hein. Mais moi, je suis quand même étonné dans le choix des éléments du décor. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte d'église, temple, je sais pas quoi, d'une certaine époque, elle-même, abritée par des planches qui sont à deux doigts de se casser la gueule, mais on est une clip bien moderne dans le système, tu vois. Quoi? Mais quoi? Non. Non. Ah non. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? On peut ouvrir ça? Ah, il faut savoir que les best-sellers vont sur YouTube. Hein. L'émission, je vais la découper et la balancer sur YouTube. Hein. Ok, bon, pour l'instant, je sais pas ce que je fais. Ok. En fait, il a pris des assets graphiques, il les a foutus là, il sait même pas pourquoi, en fait. C'est ça? Attends, mais je sais pas quoi je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? Une clim à l'envers, ça devrait être à l'extérieur. Oui, en plus, à la ventilation, comme ça, oui. Qu'est-ce que je dois faire, là? Il y a des trucs ici, il y a une sorte de... Ah! Ah bah ouais! Non mais le dev il était défoncé. Non il était défoncé le dev. Non mais regardez le... Non mais regardez comment il a mis le magnétoscope dans le mur. Il est même pas droit le machin. Mais mec, le machin il est même pas droit. Alors là il faut savoir que Sadako elle vient de repop. Mais elle est tellement... C'est tellement pas buggé qu'elle est dans le mur là actuellement. C'est trop. Alors, effectivement, je vais peut-être commencer par quelques éléments type le prix du jeu. Alors, attends. Shaitan, c'est un jeu qui est sorti. Accrochez-vous bien, c'est sorti le 30 juillet 2024. 2023, pardon. C'est développé et édité par Ramic Soft. C'est un jeu au prix de 4,99€. On ne sait pas comment il est évalué, il n'y a que 5 évaluations sur Steam. Bon, bah, va pas y en avoir beaucoup de plus si tu veux mon avis. Ok, vas-y, on va prendre ça. C'est clairement l'Horror Engine. Ok, donc j'imagine qu'il faut prendre la cassette et faire clic droit, c'est ça? Ah, ou pas? Ou pas? Qu'est-ce que... Comment je fais? Éjecter? Non, ça l'éteint. La logique. Vous avez vu la gueule? Vous avez vu c'est un écran plat. Un écran plat qui fait de la neige de cassette vidéo qui n'est même pas insérée. C'est... Tout va bien. Non, mais ça va.
ça va. Et elle là. Et le Lothal revient à toutes les 20 minutes, c'est quoi ça? Casse-toi. Bon, bordel. Bon, attends, si j'ai... Entrée, tu dirais? Non, mais non. Mais mec, ça fait pas de la neige comme ça, une télé comme ça, assis. Le pape inutile, ah, complètement. Entrée, tu dirais, Bouquette? Attends, viens, on essaye, entrée. Il se passe rien. Check your first mission. Ah, mais est-ce qu'il y a une mission là-dessus? Voilà. Entrée. Non, clic droit, clic gauche, F, E, espace, contrôle, shift, alt, G, H, T. Un jeu de merde, pardon. 26 FPS dans le menu. Ah non, mais là, tout objet en 3D, visiblement, casse la gueule à mes FPS. Alt F4, non, trop tôt. Mais non, faut qu'on le teste, le jeu Destiny. Bon, là, je comprends pas. Je n'understand pas vraiment, hein. D'accord, y'a rien d'autre là, je peux pas le prendre ça. Mais qu'est-ce que c'est, d'ailleurs, concrètement? C'est quoi, ce machin, là? C'est censé être un cadavre? Il vole? Ou il est collé au mur? Je sais pas comment expliquer. Oh, des pilules. Ok. Ce jumpscare qui sert à rien, mais c'est trop. Non, c'est trop. Les machins qui apparaissent comme ça. Elle est efficace, la super glue. Ah bah, elle colle bien, celle-là. Putain. Ok, on a un appareil photo, une pile. Ah ouais, non, mais c'est vraiment... Oh, c'est vraiment les basiques absolues des jeux d'horreur avec le Horror Engine. Hein. Vraiment, c'est ça, quoi. Non, c'est pas possible, il était bourré le dev. Il a mis tous les objets comme ça. D'accord. Donc ça là, c'est alimenté électriquement apparemment, par un câble qui lui-même est coupé électriquement. D'accord, j'ai compris. Je pense que le dev, il a fait cet effet là, il a dû tester un effet de particules. De particules électriques comme ça. Je pense que le mec s'est dit, oh c'est bien fait, viens je le laisse. C'est bien fait mon truc. Non mais toi, what? Il vient d'y avoir quoi là? Ah putain! Ah non, c'est trop! Non, c'est trop! Oh! 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 Il s'est passé quoi là? Il m'a coûté 5€ le jeu, 4. En attendant, je sais toujours pas comment faire leur truc là. Même elle en a marre, je me tire. Par contre, je sais pas. Mais non, mais à un moment donné, c'est évident qu'il faut mettre un... Pourquoi le VHS, il disparaît quand je m'apprête, quand je m'approche, et quand je me recule, il revient, regarde. Tu vois le VHS qui dépop quand je... Oh là 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 là. Le lecture, tu penses? Non. Non, parce que pour eux, regarde. Peu importe où je clique, ça on-off. Me dis pas qu'il faut regarder la télé. Non. Putain, j'y ai cru. Alors là, franchement... Eh les gens, à quoi ça sert ces machins là? Salut Vanilia! Clic gauche sur la... Ah non, j'arrête pas. Ta gueule! Vas-y Jean-Michel. En fait, elle aime pas. Check ton journal. Mais y'a rien sur le journal en fait. Les gars, c'est juste un objet de base du Horror Engine ça. C'est juste... Tu mets le Horror Engine, t'as tout ça dedans en fait. Clic droit sur le magnéto. Ah, pas con ça. Oh, bien vu. Est-ce que quelqu'un peut sucer Monsieur Grand s'il vous plaît? Merci. Bien vu, c'était clic droit sur le magnéto. I'm Shaden. Oh putain. The only way to get a key is to destroy this wall behind me so that you can step on a ladder which is covered by the wall. To destroy this wall you must jump on boxes marked by numbers in order, which is equal to solution of puzzle which is on video at the end puzzle. The solution consists four digits where the first and third digit are half of one less than the largest number you can find on the floor.
The second and fourth number are equal. Vas-y, cours! Vas-y, wouh! T'es la copine! Ouais! Elle a carrément des pop, elle sait même pas où elle est. D'accord, j'ai rien compris. Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Non, parce que moi non, hein. J'ai rien compris, saute sur les caisses, ça finira par marcher. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, attends. Bah, il parlait de nombre, du 2, du 4. Après, il disait, ouais, pour détruire le mur qui est derrière moi. D'accord, mais quel, il est où le mur qui est derrière toi? Parce que je vois pas c'est lequel, moi, là. On va faire des maths compliquées. Bah, écoute, je commence à me demander. Tu peux la rejouer? Ouais, je pense. Oh non. Attends, on va la remettre. Ouais, j'ai compris, il faut jouer au jeu à 4h du matin bourré pour comprendre des subtilités. Ouais, je crois aussi, ouais, Seren. Donc, le seul moyen d'avoir la clé, c'est de détruire le mur qui est derrière lui. Non mais, reste pas devant, je suis en train de lire. Merci. C'est incroyable. Pour détruire le mur, je dois sauter sur les boîtes qui sont marquées par des numéros. Qui est égal à la solution du puzzle dans la vidéo à la fin. Le puzzle, la solution consiste à 4 chiffres. C'est ça qui est important là. C'est cette phase là. C'est ça là. 1, 3, 2, 4. Ah, tu crois que c'est ça? Non. C'est censé être un 4, c'est ça? C'est censé être un 4, ça? Ça aussi, du coup. Ça, c'est un... Oh, oh, ça pue la merde. Oh, oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Comment ça pue? Attends, redonnez-moi... Attends, redonne-moi la lampe. Allez, t'es où? Allez. Non, c'est les pilules, ça. Après, c'est un jeu sorti en 2013, donc ça date. Ah non, pas 2013, non, 10 ans plus tard il est sorti. En juillet, 10 ans plus tard. Ah, dans le casier. C'est tellement pas logique, y'a rien qui va. Y'a rien de logique. Remets-moi la cassette. Elle est où? Elle est dans le mur encore? Je comprends pas. Moi, c'est la dernière phase. On a compris. Oui. Bonjour, Satan. Bonjour. Moi, je veux comprendre. Les 1 et 3 sont les chiffres les plus grands et 2 et 4 sont les mêmes chiffres. Attends. Il n'y avait pas un papier dans un coin? Si. Ça, là. Le 1 et le 3 sont la moitié. Oh, en fait, je crois que j'ai capté. Mais oh, c'est chiant. C'est nul. En gros, c'est du calcul, quoi. En gros, le premier et le troisième... Attends, c'est ça, si je dis pas de conneries. Le premier et troisième chiffre sont identiques. Ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est... Je suis désolé, je suis fan. Attends, faut que je revoie. I'm shaded. And only way to get a key is to destroy this. Tu lui fais peur, DJ Arrête, je suis désolé. Ok, attends, on va essayer de comprendre. 1 et 3, la moitié du plus grand nombre que tu peux retrouver au sol. Which is equal to solution of puzzle which is on video at the end puzzle. La solution consiste en 4 chiffres, ok. Le 1 et le 3ème sont moitié moins que le plus grand nombre. Ah, le 2 et 4 sont égaux. Et le 1 et 3 sont moitié moins que le plus grand. C'est ça, si j'ai bien compris? C'est ça? Mais tout à l'heure, genre j'ai sauté sur ça là, je crois, tout à l'heure.
Je crois que j'ai sauté sur ça tout à l'heure, non? C'est sur lui que j'ai sauté tout à l'heure, non? Le chiffre le plus grand au sol, c'est combien? Et pour moi, c'est 9, hein, y'a là. Pour moi, c'est celui-là. C'est un 9 ou c'est un 5? Dans quel sens je le lis? Je suis même pas sûr du sens dans lequel je lis. Sérieux, Bokeh? Bah, tu vois, 4, 4. Donc 1 et 3 sont 4. Comment ça? Quoi? Non, attends, attends, faut qu'on passe, j'ai envie de comprendre. C'est quoi? C'est censé être un 8 ou c'est censé être un autre truc, ça? Ou un gribouillis de gamin de 4 ans, je sais pas, c'est quoi? Vas-y. Ok. Donc c'est bien celui-là de tout à l'heure, ok. Et un 3 là? Attends, où? Comment ça, un 3? Et là, je suis censé sauter sur lequel du coup? Attends, je comprends pas bien là. Yeah. Oh bah, je prends un coup, Tasta, bien sûr! Non, on a sauté sur l'espèce de 4. En fait, j'en déduis que ça se lit de ce côté-là. Donc, ça, ce serait un 5. Ça, un 9. Et ça. Le 4, le 5, le 9, le 5. Donc là, là. Attends. Ça devait pas être un... Non, ça devait pas être ça. Ça devait pas être un 5, ça. Yo, aussi double. 4, 9, 5, 9. Non, le 4, ok. Donc là. Du coup, il me faut un 9. Non, mais les gars. Là, alors? C'est pas possible. 100% tu passes la porte, ça fait merci d'avoir joué. Imagine. Oh, imagine. Mon key. Il faut 45. 45, 95. Et pourquoi? Attends. Déjà, vous-même, sur le live, vous êtes pas d'accord ensemble. Rien que sur le chat, vous êtes pas d'accord sur la soluce. Ok, 4. 5. 4-5. 9-5 alors. Ok, on sait que les deux... Ok, il y en a déjà deux. Mais attends. Je répète la solution à ça. Ouais, mais du coup, c'est compliqué là. Y a pas de 9. Là, j'ai un 4 ici. Là, j'ai un... Ouais, une représentation de 8, je dirais. 1 et 3 identiques. Non, c'est 2 et 4 identiques. C'est 2 et 4 identiques, donc c'est un 5 le dernier. Donc c'est forcément ça le dernier. Donc là, faut que je trouve le... Ah, c'est un des deux, là, non? Vas-y, go. Oh, ta mère! On va essayer celui-là. On va essayer celui-là. Oh putain, il m'a cassé les couilles, lui! Attends, tu sais quoi, regarde, on n'a pas le temps. Celui-là, j'avais dit? C'est pas lui! Mais c'est sérieux, là? Jeu de l'année, moi, je dis. Ouais, minimum! Ok, new game! Techniquement, les 1 et 3 sont aussi identiques car ils ont la même définition. Mais non. Donc ce serait 4-5-4-5? Tu veux voir? Oh non. Oh non. Oh non. Ok. Mais rien que cette énigme, elle est pas normale, elle est pas logique. Les amis, j'ai carrément eu un succès, quoi. Incroyable. Ah non, mais moi, je suis d'accord. Hein. 100%, cette porte-là, c'est la fin du jeu. Non, mais si c'est ça, je vais pleurer. Je vais chialer ma daronne. J'ai rien compris, moi non plus.
Je crois qu'on donne des chiffres au hasard depuis tout à l'heure. Faudrait que tu rebranches les câbles. Bah ouais. Mais c'est alimenté par le Saint-Esprit. Faut sauter. Eh. J'ai entendu un truc, hein. Les gars, j'ai clairement entendu un truc, hein. Et vous aussi. Ah mais t'es sérieux, là? Faut monter, là. C'est quoi, ça? Mais t'es qui, toi? Mais t'es qui, toi? T'es venu pour quoi? Et puis visiblement, t'es pas décidé à m'attaquer, hein? C'est le méchant d'étrange de Monsieur Jack, ça? Bah oui, en plus, ouais. Comment il s'appelle, déjà? Un Sackboy méchant. Oh, bien vu, belle ref. C'est vrai, on dirait presque un Sackboy méchant, ouais. Boogie Boogie, merci, c'est ça. Ok. Non mais vas-y. Pourquoi ils peuvent se gêner entre eux? Mais... Ah mais c'est vraiment basique, quoi. Mec, y'a un DAC à 47. Ma parole, je le veux. Mais donne-le-moi tout de suite. Mec, je viens de prendre 50% de dégâts sur ce job. Je viens de prendre 50% de dégâts. Mec, c'est trop. Mec, j'ai un DAC à 47. Allô. Je peux l'utiliser, au moins. Il est où, mon DAC à 47? Mec, non mais ça va pas. Mec, quand je tire, le son il sort pas des fois. Écoute, regarde. Ah, allez, ça va là. Ah bah, il sortait pas au début, maintenant il sort dans le son, ok. Ah mais d'accord, en fait, il y avait un chemin là. Non mais c'est incroyable. Ah bah oui, mais bien sûr. Évidemment. Évidemment. Donc là, je viens de recharger. C'est un... Les gars, y a rien qui va. Y a rien qui va. Attends, je vais redéplacer ma caméra parce que je vais avoir l'impression de faire un truc là. Hop, ici, on va la remettre là. Alors, je t'explique. Nous avons un AK-47, pas automatique, avec 7 balles dans le chargeur. Et quand je recharge, y a pas de... y a rien. Je peux pas revenir là. Non. C'est trop. Oh non, si je clique là. Let's go. Hop là. Je pleure tellement pour le dev qui a dû passer un nombre incalculable d'heures à bosser sur ce projet. Oh ouais, incalculable, au moins. Le pire, c'est que c'est possible que oui. Hein. Il est possible qu'il ait clairement passé du temps sur le projet. Ah, le putain zone là. C'est ça, c'est tellement le meilleur truc. Ça, c'est littéralement la meilleure feature. Ok. Mais c'est tellement illogique. Pour moi, il n'y a rien qui va. C'est-à-dire que le décor n'a pas la moindre putain de cohérence. Il n'y a aucune putain de cohérence dans le décor. T'as de la chance. Ah! Ouais, bah 2 secondes! Attends, je réessaye. Mais attends, mais y'a pas de sauvegarde dans votre jeu? Ah, d'accord. Ah, j'ai... ah bon, il y avait pas tout à l'heure, si. On l'a jamais vu, ce message. C'est la première fois qu'il apparaît.
Oh, j'en veux plus. Oh, putain. Ok, 4-5. Voilà. Vas-y, let's go. D'abord, on a compris le jeu, on est trop fort. C'est au cas où tu savais pas que t'étais mort, t'as un gros game over. Oh putain. Je suis persuadé de pouvoir baiser le jeu. Clique droit sur la porte. Quelle porte? Ah, celle qui est derrière machin là. Attends. Les gars. Ah. Oogie boogie. Voilà. Wouh. Hop là. T'inquiète frérot. Ah. C'est de la merde. Non, c'est trop. Attends. Comment on peut baisser le jeu? Ah putain, il a mis des murs invisibles. Le malinois. Mais 100% le devil a oublié des trucs, hein. Regarde, qu'est-ce que je disais? C'était sûr qu'il oublierait une zone. Yes. Là, je peux carrément. Désolé, j'arrête. Il fallait que je le fasse. Fallait que j'essaye. C'est bon, je joue vraiment cette fois. Allez, premier degré, on est fort maintenant. On joue à ce super jeu. Mais attends, je peux prendre celui-là alors. Ah oui. Mais bon, j'ai trouvé comment optimiser mon trajet. Dionysa, j'ai vu ton message. Gros bisous à toi, mec. En fait, j'essaie de pas trop le citer parce que vu que ça va apparaître sur YouTube et tout, tu vois. Je vais faire un gros bisou, mec. Gros bisous et surtout courage. Courage. Et c'est le bon. Mais j'ai réussi, je m'en bats les couilles, je suis passé en OOB, je m'en fous. I did the OOB, putain. Attends, mais ça va où là en vrai? Y'en a qui défendent des textures un peu, tu vois. Ouais, je sais pas, moi j'ai du mal hein, quand même. Hein. Perso, Ouais. Bon, on sent que c'est pas forcément lui qui a fait les textures. Par contre, on sent qu'il a voulu essayer de créer un truc, quoi. Le problème, c'est la cohérence du décor. Plisse les yeux. Là, let's go. AK-47 à la GoldenEye, j'adore. Vas-y, attends, on va redescendre là. Puis là, vaut mieux pas s'éjecter de l'échelle, c'est un coup à crever. Est-ce qu'il y aurait pas un peu d'IA dans tout ça? Oh, j'en sais rien du tout. Ah, bien vu. Mais t'as... On peut juste... Tu m'emmerdes. On peut s'arrêter un instant sur la texture qui visiblement ne semble pas être très stable. Ah, ça va en fait, j'ai rien dit. Non, alors est-ce que c'était... Ah, c'était un effet d'optique? Non, c'est ça. C'est selon la position, regardez. Ces planches là, les planches de ce côté là, il y a un problème là. Regarde, tu sens qu'elles veulent se barrer de la porte. Même la texture, elle veut se barrer. What the fuck, ce blob de texture? Ouais, non mais grave. Donc là... Déjà, qu'est-ce qui te fait rire? Qui c'est qui rit là? Arrête de rigoler! Faites la fenêtre et bam! Ah putain, pas con! Bon bah finalement oublie. Elle est un peu trop solide pour moi. Le casier? Attends, on va aller voir parce que...
Oh, nous on est arrivé de là-bas, ouais. Bug! J'avais pas vu le casier. S'il vous plaît, monsieur, madame, qu'est-ce qu'il fait là? Mon grand casier, il est là. Pourquoi il est là? Tout ça. Les gars, on a peut-être fini le jeu. Les gars? Les gars? Les gars? Verdict, est-ce qu'on va terminer le jeu? On a la carte. Les gars, on va peut-être finir le jeu là. C'est possible que ce soit la fin si c'est vraiment ça. Lui, il va avoir des crottes d'or, je te le dis. Oh, il va avoir des golden crottes, je te le dis vite fait, bien fait lui. Si c'est vraiment la fin du jeu. On n'a pas encore tué Shaitan avec la K47. Ah oui, c'est vrai. Attendez, on va voir si on attribue des golden crottes à certaines choses. Oh putain que j'aime cette émission, putain. Oh j'aime trop cette émission. Y'a que des trucs comme ça. Oh ouais, il faut que j'utilise la casse sur... Oh ouais, ouais. Attends. Attends, on va attendre qu'elle pop une dernière fois. Reloading. C'est bon, j'ai 7 balles dans mon chargeur complet. Vas-y, apparaît. C'est un cartoon, à fond. À fond. J'attends qu'elle pop pour voir si on peut en faire un truc. L'animation de Reload, elle est forte. Hein. Elle est très très forte. Merci pour le sub. Ce serait marrant qu'elle meure. Mais c'est possible en plus. Hein. Et bonsoir, bonsoir. Torchiba. Merci pour les 62. Merci beaucoup. Allez. Ok, donc ton AK, c'est un AK-VEPR, un modèle pour civil. Ok. Bon bah bug alors. Merci pour le sub. Mais c'est moi ou elle a une luciole? Mais mec, elle a une luciole avec elle, je l'ai tilté. L'appareil photo, il sert à quoi? Ah bah à rien. Chasseur alpin. C'est juste le Aurora Engine. Donc le mec, il a juste foutu tout ce que l'Aurora Engine il lui proposait. Même le dev, il sait pas pourquoi il y a l'appareil photo, je pense. Ou peut-être après. Attention, verdict. Les gars, c'est pas la fin du jeu. Ah non. Non mais si l'objectif c'est de me montrer qu'il y a un digicode, non mais je suis au courant en fait là. Non c'est trop. Non c'est trop. C'est trop. Les gars c'est trop. Attends. Oui c'est l'alarme de GoldenEye, je confirme. Oui. Attends. C'est bon. Ah vas-y. C'est notre heure de gloire. Retenez bien le code du coup. Vous l'aviez, j'ai vu sur le chat. Vous êtes sûr pour le code ou pas? Attendez, on va le revérifier peut-être pour être sûr, non? Douze, dix, douze, treize. Ouais, c'est ça. Go speedrun, vas-y. On passe en mode speedrun. C'est vrai qu'une fois j'ai perlousé, ça faisait le même bruit aux toilettes. T'inquiète! Meurs plus vite s'il te plaît! Sachez que la micro-chute que j'ai fait en sautant m'a mis 45 dégâts. 45 points de dégâts juste parce que j'ai fait un micro jump quand il est mort. Ouh, bah dis donc. Retournons voir notre super copine. La carte qui vole parce qu'elle vole dans un casier qui vole.
J'ai pris 45 points de dégâts sur 100, ouais. Du coup, j'ose même pas sauter. Voilà. Parce que je suis sûr que tu fais un saut de 1 cm de plus que ce que je viens de faire à l'instant. Mais c'est sûr que tu meurs, en fait. Donc du coup, attends. Mais genre, sauter de là, ça me tuerait. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Non, c'est trop, c'est trop. C'est beaucoup trop. Et là, elle est dans le mur, c'est ça? Elle est où? Ah non, elle est en bas, elle est en bas. Au moins, le développeur, il a vérifié qu'on prenne pas de dégâts en descendant. Il a jamais dit des autres vertes au guignol ou quoi? Non, mais c'est à se demander. Honnêtement, c'est à se demander. Ok. Tout à l'heure, il y avait une pilule. Des pilules! Il y a peut-être moyen de se heal, non? Tu sais quoi, on va les récupérer, on sait jamais. Putain, elle a la lumière qui m'aveugle. Ok, il y avait une pilule tout à l'heure, là, c'était dernière... Ah, mais il n'y a plus le brancard. Ah si, il vient de spawn. C'est bon, il vient de spawn. Il n'était pas là il y a 2 secondes. Oh le perso. Oh le perso, il se drogue. Ok. 12-10, 12-13. Non, c'était quoi? Attends, c'était 13-10, 13-12. Non, c'était quoi le code déjà? Merci. Attends, y'a un truc qu'on a pas suivi là. Bonsoir DJ, la boucherie. Là, y'a un problème là. Et c'est 45-45. Non. Oh non, me dites pas que c'est ça. Oh non, hein. Oh non, hein. Oh non, hein. Si c'est ça, je pleure, hein. Hop, bat un peu le speedrunner, bat. De ce que j'ai vu, le code c'est 2023, pourquoi? Mais surtout pourquoi? Comment tu sais? Attends, où est-ce que tu l'as vu le code 2023? Speedrunner de marathon minimum, grand minimum. Ah, là. Salut. Elle est tombée. C'est un coup, il y a des éléments là, par ici. Oh non, mais matez la gueule du décor. Non mais c'est trop. Non mais attends. Moi je peux baisser le jeu? Non, c'est pas possible. Il va pas me permettre de monter là. Non, ça pue. Attends, il faut lui dire d'arrêter de se TP. Oui. Sur le let's play que j'ai à côté de moi. Mais alors comment il a eu l'idée? Ouais bah ouais, je sais pas non plus. En tout cas, le jeu est plus beau que certains jeux récents. Oui, alors peut-être plus beau, mais pas plus fun. Putain, tu crois que c'est ça, Caradoc? Tu te... Non, mais vas-y. Hein. Si c'est ça, c'est chaud quand même. Hein. Si c'est ça, c'est vraiment chaud. Oh putain! Regardez ce qu'a écrit Behind You! 1, 2, 1, 0, 1, 2 et 1, 3. Ça fait 2023. Oh shit! Ta gueule! Ta gueule! Bug! Oh là là! D'accord, et là pourquoi ma caméra elle est mal alignée? Quoi? Et j'arrive même pas à voir l'intérieur du casier, c'est cool. Ah ah.
Le jeu, il est en train de me faire briller. À cause de Sadako. C'est trop. Les gars, on a une vraie petite perle. Le retour de Bert Seller se fait en beauté, je trouve. Quand c'est trop pico. Re-alors ce Bert Seller. Écoute, le chat, t'en penses quoi de ce Bert Seller? C'est rigolo, non? Perso, je me tape des barres. Ouais, Sadako, t'es où? Mais je sais même pas où elle est. T'es dans le mur encore, c'est ça? Une pépite, il est incroyable. Non, dragon métallique, de quoi non? ...2023. Ce génie. Abonnez-vous. Il faut une Bert Seller qui fait peur, sinon pas drôle. Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Mais alors là, pour le coup, on est exactement sur ce qu'on attend d'un Bert Seller. On est exactement sur ce qu'on attend d'un jeu Bert Seller. Bug! J'ai dit bug! Bugzouille! Et ses cheveux, comme ça, tu vois. Bon, c'est super, j'ai désactivé le code, incroyable, et après? Il y a des murs invisibles, c'est scandaleux. Salut, Jesus! Non, attention, c'est à quoi prendre des dégâts en sautant ses genoux, là? Non, mais regardez le décor, mais y'a rien qui va, hein. Non, mais les gars, y'a rien qui va, matez le motif, là, il est à moitié dans le mur et tout, là. Ouah, c'est chaud! Ouah, c'est chaud! Ah, lol, un chandelier allumé! Chandelier allumé avec du courant. Bah attends, 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 je sais même pas ce que... Merci pour le sub! Mais c'est du hasard! Le décor, c'est du hasard! Il a pris des trucs, il les a mis, il a dit « Oh, ça fait un décor !» C'est clairement du hasard, là! Varskal, merci pour le resub! Hamsterchou également, GoGoers! Oh là là, trop de sub ratés, je suis tellement... Ta gueule! Bug! C'est incroyable! Ceci est incroyable! D'accord, et après? Là? Regarde sur une des poutres, celle de droite, tu es d'armoire avec. Il y aura un bouton. Ah ouais? Genre derrière? Oh là là! Waouh, il y a un problème de texture encore là! Oh! Oh, regardez là! Regardez le coin de la colonne! Ah, il y a un truc qui me. Ah! Regarde, regarde! Là, il se passe un truc dans mes yeux là! What the fuck? Au-dessus de la lampe. Ah mais ouais, putain. Ah, le bouton et tout. Moderne, hein. Quoi? 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 Mais ça part en Tetris. Quoi? Non, c'est trop. Les gars, c'est ça part en Tetris. J'en peux plus. C'est incroyable. C'est génial. C'est un bou- ouais, c'est le bouton du magnétoscope en plus. Non mais c'est trop là. Et je dois faire une ligne ou c'est quoi le truc? Il va me donner que ça ou c'est comment là? Salut Oxley! D'accord, le jeu il me donne plus que ça. Il fait dit que ta race. D'accord. Et là, c'est parti en Tetris, Chilou. Chilou, c'est parti en Tetris, le jeu. Merde. Oh, tant pis. Ouais, écoute, on va faire cette ligne-là, on verra s'il se passe un truc. Oh non.
Arrête! Sadako, t'es bourré! Pose ton whisky! Sadako, elle pop! Et hop, elle dégage! Oh, bah j'imagine qu'il y a un score, il y a un score à atteindre, un truc. Alors lui, c'est un candidat très sérieux pour Berseller. On est sur un candidat extrêmement sérieux de Berseller, là. Oh, ça devient la merdasse, là. Oh, la boule de merdasse. Vas-y, go. On va faire sauter deux lignes. Et jamais ils sauvegardent leur jeu. Du coup ça. Oh, je fais de conneries. Les gars, j'ai appuyé sur F5. Allô ? Si j'appuie sur F5, ça fait ça. Je te jure la vie de qui tu veux. Sur la tête à Tati Monique. Je te jure que c'est vrai, regarde. Et pour l'enlever, je fais F4. Vas-y, F1. Passe rien. F2. Rien. F3. Non. F6. F7. F8. F9. F10. F11. J'ai fait une connerie. Ça va. Attends, ça revient. Ça va revenir à l'image. Resolution not supported. Quoi? Comment ça, not supported? Non, vas-y, c'est une vanne. C'est une putain de vanne. Ma parole, c'est une vanne. Attends. Attends. Désactiver. Réactiver. Attends. Je... Non, mais non. Non, c'est chaud. Attends. Je vais faire un truc. Attends. Les gars, je suis choqué. Je suis choqué. Je crois que j'ai rarement vu un jeu aussi éclaté à tous les niveaux. Genre, c'est abusé. J'ai rarement vu ça. Attends. c'est quoi que je cherche? Ah ouais, Borderless. Là, je vais être obligé de le passer en Borderless parce que je vois pas comment faire autrement. Sinon, il va falloir tout recommencer encore. Attends. Bah moi, j'ai cassé le jeu. Ouais. Attends. Ok, Shaitan, là. Hop. Voilà. Est-ce qu'il va me le passer en full screen? Il me l'a passé en full screen. Et si je reviens et si je réactive ma capture maintenant, est-ce qu'on a récupéré l'image? Alléluia, baby. C'est bon, j'ai réussi à récupérer l'image. Alors, sachez que je ne peux pas aller ici. Oui, il y a un mur invisible qui m'en empêche. C'est abusé. C'est chelou, le jeu n'a aucun sens à se demander si c'est, pas fait par, si c'est fait par un esprit humain. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, plusieurs personnes se demandent si ce serait pas une IA, en fait, qui aurait fait le jeu. Franchement, ça se demandait, hein. Il est trop bizarre, le jeu. C'est trop bizarre comme jeu. Il n'y a rien de normal. D'accord. La porte, elle est fermée. Locké, pas locké, c'est pareil, quoi. Barre. Ah, j'ai la console de bug. De Unreal, chilou. J'ai la console de bug. Regarde. Vas-y, tape ça. Attends, chilou va me faire taper une commande. Slowbo 02. Non. Tu crois qu'on va ralentir le jeu? Oh! Ah. On a ralenti le jeu. Du coup, on peut l'accélérer. Du coup, à l'inverse. Slowbo 3. Génial. C'est trop bien. J'adore cette émission. Oh putain.
D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube et que vous allez voir cette émission sur YouTube, n'hésitez pas à venir lâcher un peu de force. Le petit follow sur Twitch, la bonne barre, la chaîne de YouTube ou quoi. Enfin bref, vous avez plein de moyens, vous connaissez. D'accord. Bon, maintenant que je suis là, je fais quoi, moi? Ce jeu est une pépite de ouf. Ah ouais, on est sur un candidat extrêmement sérieux. Hein. Là, ok. Non mais mec. Non mais là. La cohérence. La cohérence de ce jeu. Mais allez. Waouh. Et pourquoi je peux aller sur cette échelle là? Attends. Attends, tu connais des Tu connais des cheat admin ou pas, Chilou? Genre juste pour voir si on peut voler. Attends. Les gars, je vole. Je crois. Ah non. Les gars, je crois que je vole. Mais attends, c'est bizarre. Mon perso, il se déplace bizarre, là. Je vole. Les gars, je vole. Les gars, je vole. Non, je vais pas le faire là parce que je vais mourir. Attends. Attends, attends, il se passe rien. Quand j'appuie sur l'espace, gars. Ah, mais j'ai niqué le jeu. Attends, si je tape walk. C'est incroyable. C'est incroyable, attends, nos clips. Attends. Non, le noclip il marche pas. T'as gagné en FPS par contre. Ah bah ouais, on dirait bien, ouais. Pas celle-là, ok. Refais fly et regarde vers le ciel, voir si tu montes quand tu avances. Mais c'est ce que j'ai tenté, mais ça a pas marché. Et là. Là, il avance tout droit, il monte pas. Il y a forcément des touches. On peut se pencher apparemment, je viens de me rendre compte qu'on peut se pencher dans le jeu. Incroyable. Le clip. Ouais, non, je peux pas voler. Non, dommage, dommage. Attends, va rewalk. Voilà. Elle fait rien. Non, non, elle fait qu'apparaître juste pour nous faire peur, en fait, Shilux. Ah non, mais nous, ça fait longtemps qu'on la calcule même plus. Tu sais pas sauter. Non. Ah, attends, pas bête, à slag. Non. Non, pas page up, page down. Non, ça marche pas. Essaye de voir si tu as une commande speed. Mais y'a pas besoin de la commande speed, tu mets la slow-mo 5 et hop, et c'est bon, le jeu il est en speed. J'adore. Comment elle fait pour se TP? Je ne sais pas, attends, moi je propose de speed pour aller faire toutes les portes, slow-mo 20. Viens, on fait, attends, slow-mo 20, juste pour rigoler. Juste pour rigoler, slow-mo 20. Oh. C'est celle-là. C'est bon, on a trouvé la bonne porte. On a trouvé la bonne porte, les gars. Ah, la batterie de la flashlight est dead. Genre, il y a une mécanique de flashlight. Chilou, si tu connais des conneries. Si tu connais des conneries à faire, mec. Franchement, lâche-toi. Lâche-toi, toi qui bosses sur l'Unreal Engine en ce moment. Ghost pour nos clips, apparemment. Vas-y, attends, attends. Merci pour le sub. Oh putain. Salut DJ Boubouche. Oh putain. Ouais. Salut vivant. Ok, ça marche. Les gars, tout fonctionne. Yvon, merci beaucoup pour ton resub. Merci pour le soutien. Et là, j'ai pas encore commencé le débug de mon projet, hormis le slow-mo, j'ai pas grand chose si. Mais t'as tenté les touches 1, 2, 3, 4, 5 au-dessus des lettres, il a peut-être désactivé. Non, c'est les raccourcis pour les trucs, pour la K47 notamment. Avec un bruit. Le réalisme à son paroxysme. Ah, attends. Ok, même le gamma il fonctionne. Le gamma 1, du coup. Oh. Gamma 5. Gamma 10. Ah non, le 10 il marche pas. Donc ça doit être gamma 2 du coup, le truc de base. Ouais, c'est ça. Ah ouais, là on est sur une véritable légende, hein.
On est sur une véritable légende du best-seller là. Là, tu voles, tu passes au-dessus de la porte. Exactement. Je t'avoue que j'ai réfléchi à le faire, hein. Mais Non. Oh, il était presque efficace, ce jumpscare. Bon, ça a beaucoup... J'aime bien la lumière. Je suce des lampadaires. Attends. D'accord, qu'est-ce que je dois faire ici? Non, mais c'est bien ce que je pensais. On a bien le ciel qui se barre, des fois. Allô? Oh, le ciel, il... Waouh. Salut, Vixoui. Oh, c'est très sérieux là. Sur un des murs, tu vas trouver une clé. Ah bah visiblement pas que des clés, je peux trouver des... Ah bah la clé est là. La clé est justement là. Ah mais la vague, tu te poses trop de questions. Personne n'a compris le jeu. Le jeu, il a aucun putain de sens depuis tout à l'heure. Et c'est tout l'intérêt de se taper des barres, c'est que le jeu, il fait tellement rien dire. Ah bon, la clé de The Fit. Donc là, faut que je reparcours tout. Ok. On passe en slow, en slow mauvin. Allez. Attends. Celle-là? Non, c'est pas celle-là non plus. Il paraît que ça va être genre une partie ici. Ah mais du coup, comme elle apparaît tout le temps maintenant. C'était la clé ici. Slow-mo 1. Oh là là, mais ça n'a pas de sens. Mais toutes ces clés sur des murs, des casiers qui volent et tout. Des Sadako qui pop et qui a peur et qui va sucer des lumières. Non, mais, ça va. Mais voilà, rien, rien. Ça va ta petite lumière, merci Sadako. Sadako, si on rajoute un R à la fin, on peut dire que ça non, mais ça d'accord, hein. D'accord, le jeu il est en mode. Il est en mode, il nous fait faire des allers-retours dans tous les sens. Est-ce que les jeux doivent passer par une validation avant qu'ils sortent? Non, pas du tout. La preuve. J'ai envie de te dire la preuve. Augmente le gamma, on n'y voit rien. Ouais, vas-y, on va mettre un gamma 3. Gamma 3, gamma 3, voilà. On y voit un peu mieux avec le gamma 3, c'est mieux. Non mais le jeu, limite, c'est nous qui le reconnons, là. On est en train de reconnaître le jeu. Salut, Bansi. Énorme, ce Berseller, je kiffe. Tu le kiffes, Bansi? Ah, ça fait plaisir. Il est mieux, ce format de Berseller, non? Parce que je veux dire, tu sais, on pousse un peu plus la connerie... Ta gueule! On pousse un peu plus la connerie du jeu, tu vois. Et je préfère, et du coup ça permet de faire plein de jeux sur l'année et tout. Et je vous jure qu'on fera un... On fera un vote à la fin de l'année, fin 2024, on fera un vote sur le merde seller de l'année quoi. Le Golden Crot Awards. Oh non. Me dis pas que le dev il a été trop teuteux. Oh putain, faut... Tu peux pas monter si tu montes pas sur le coin. Regarde, ça, là ça monte pas. Faut aller là, et là tu peux monter. Oh, y'a rien. Tombe! Faut tomber, madame! Ah, veut pas tomber. Ah, veut pas tomber, la pute. Mais non, mais c'est vraiment ça le chemin là? C'est pas ça le chemin. Ah, on est d'accord, c'est pas ça le chemin. Attends, attends, on dirait Mario Bros ton jeu, c'est quoi ça? Non, non, il y a une connerie là, faut pas que je meure, hein. Faut surtout pas que je meure, hein. Si je meurs là, c'est la merde, hein. D'accord, la lampe elle est en train de faire la gueule méchant là. Ok, gamma 5, c'est bon, j'ai compris. Voilà, parce que tu m'emmerdes là. Ah! Ah! Bon, bah écoute, gamma 5 quand même. Oh, on me dit pas qu'il faut aller là. Oh, c'est tout.
Qu'est-ce que je fais là, moi? J'ai pas de clé, hein? Non, 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 j'ai pas de clé, là. I have no keys! Mais... mais qu'est-ce qui m'arrive? God, pour pas prendre de dégâts. Attends, 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 attends. Non, bah attends, j'ai envie de savoir où je dois aller, là. Oh, putain, non, mais... les lampes, c'est scandaleux, un peu, hein. Ça va big, Sardako? Ça va big ou ça va big? Retour dans la zone où tu avais passé la porte vitrée. C'est une des portes de cette zone. Ah? Ah bah oui, c'est rigolo, ouais, c'est marrant, ouais. On est d'accord, je viens de voir des effets rétrécibles, là. Alors, la porte vitrée, tu dis. C'était par là. Tu sais quoi? Ouais, on va mettre... vas-y, on le met, on le met, on le met. Vas-y, God. Petit test. Oh! Non, ça a pas l'air de marcher! Voilà! Okay. Mais il fait nuit ou le jour se lève? Ah non, c'est moi qui joue avec les gammas du jeu depuis tout à l'heure, y'a! Gamma 3, gamma 5, gamma 1. Ah non, c'est juste moi! Tu sais que je reconnais même pas où je vais depuis tout à l'heure, là. Du coup, toutes les commandes de base de Unreal ne sont pas activées. Oui. Ok, là, il y a un... digicode, là-bas. Et c'est pas un digicode, c'est un lecteur de cartes, DJ Boucherie. Oui, 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 oui. Ok, qu'est-ce que je suis censé faire, là? Yeah. They no key card in the inventory. Je lui ai trouvé une utilité à Sardako, elle te montre le chemin quand elle fuit. Tu crois? Ok. Ok, nous revenons ici. Ok. Retour dans la zone du Tetris. Ah ouais, mais c'est vraiment zone Tetris, quoi. Ok, c'était ici. La zone Tetris était ici, ok. Il avait... visiblement, il a eu un problème quand il a posé les textures ici. Si, si, elle a marché, Chilou. Elle a marché. Si, si, elle a marché. Tu travers... on l'a testé tout à l'heure, on traverse les murs et tout. Avec la carte Sardako, tu peux avoir n'importe quel corps. Rétri, j'aurais voulu te faire essayer des choses. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Attends, 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 moi je veux continuer. Déjà, le jeu il me surprend parce qu'il est plus long que prévu. Ah, mais il y a maintenant, il y a des flèches au sol. Yo, Wave! Mais dégage, toi! Oh, va-t'en, Sardako! Alors, je te préviens, Abe, on est en train de tester un jeu qui, dans mon émission qui s'appelle Merde Seller et le but c'est de tester des jeux de merde. Eh ben alors là, on est tombé sur une perle. On passait la porte vitrée et c'est une des portes. Bah, le problème, c'est que j'ai pas de clé. J'ai pas de clé, moi. Sans le gamma, on voyait pas tous ces détails. Ouais. Si t'en as loot une, je te jure que j'en ai pas, rien. J'ai pas de clé, là. Ah oui, y a bien une flèche... J'avoue. J'avoue, mais en fait, je suis sûr qu'elle a toujours été là, cette clé. J'ai l'impression que plus je baisse mon volume, plus le son de Sardako apparaît fort. Ouais, 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 ouais. J'ai remarqué qu'il était super fort aussi. Les échelles, non, c'était de la merde. Attends, on va retourner là pour voir. Oh putain, le décor, il apparaît en temps réel. Alors, il faut savoir qu'on peut, on a tellement... le jeu il est tellement flingué qu'on l'a bidouillé et on a accéléré le jeu. Softlock à avoir utilisé la bonne clé au mauvais endroit. Ben normalement c'est pas censé me dire non monsieur, ça ne marche pas monsieur. Tiens, connais pas ici.
Ah si, on connaît là. Mais si, regarde, c'est clairement fait pour monter là. T'es sûr qu'il faut pas monter là? Oh. Tu avais bien pris la clé au niveau des échelles avec l'armoire? Bah, il me semble que oui, parce que comment j'aurais pu avancer sinon? Merci pour le son. Oh là là, le décor, même le décor, il arrive pas à suivre. Il charge tellement en retard à tout. 40 est un mois de folie. Ah, j'arrive sur un merdeux, ça y est, MDR. Toujours aussi kiffant ouais, de voir tes streams. Oh, Zassou, merci pour les 41 mois. Merci beaucoup. Tu sais savoir ce qui coince. Ah non, mais tu me dis, tu sais, c'est vite fait, hein. Tu sais, j'ai des commandes qui fonctionnent, hein. Je tape une petite commande ghost et on y va, quoi. Je vois pas du tout, là. En fait, je vois pas du tout où je suis censé trouver une clé. C'est moi où j'ai vu un truc sur le tas de bois où il y a des portes. Par où ça? Bon bah ghost, ça va finir comme ça. Là, par ici? Oh mais tu m'emmerdes! Mais la map est circulaire, ouais j'ai l'impression ouais. Attends, retour de Tetris, y'a pas une cachette? Essaye ce monkey, tu crois? Ça aurait été incroyable. Bon. Attends, parce que moi j'ai Asta qui était sur un let's play, mais Non, mais moi je suis convaincu qu'il y a une clé qu'on a juste pas vue. Y'a forcément une clé de merde. Ou alors c'est item key, peut-être. Attends, faut voir. Non. Y'a pas. Possible qu'il y a spawn devant toi au sol. Ah putain, c'est pas faux ça. Attends, viens, on réessaye. Non. Bon, je veux comprendre où je dois aller. Là, y'a encore un truc où on peut monter, là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on arrête l'expérience là? Est-ce qu'on arrête l'expérience là, tiens? Stop là, c'est bon. Bah le problème c'est qu'on sait très bien que ça va pas être mieux, hein. Ça va être juste ça tout le long, quoi. Ça va être ça tout le long, et en fait j'ai envie de jouer un vrai jeu d'horreur après là. Je suis perdu dans le let's play. Ouais, laisse tomber. Écoutez, on va faire un dernier truc, effectivement. On va tenter un no-clip. Ouais, on va faire un petit no-clip pour finir. Puisqu'on peut... Oh putain, même le menu il est en gamma 5. Ok, on va faire ça. On va faire un ghost. Et normalement je suis pas mal là. Ok, et on va mettre bien évidemment slow-mo. Slow-mo 10. Oh, je veux voir. Je veux voir ce que le jeu propose. Il y a l'air d'avoir un truc bizarre là-bas. Attends. What? Ouah, c'est chelou! Attends, il y avait un truc. Mais tombé la code! Ouah, ça a l'air bizarre! Gamma 10, ouah, on va être obligé de le monter, hein! Ah, mais non, mais il marche pas le 10, je crois! Non, c'est 5, c'est le max! 5, c'est le max! Que nous on était là concrètement, mais après je sais pas. Attends, y'a quoi derrière là? Ah putain, le problème c'est qu'on peut pas monter, ni descendre. Ouais, je peux pas monter ni descendre. Mate la lune. Matez la lune. Wouh, je suis une boule. Ok, mesdames et messieurs, allez, laissez tomber, on va pas insister. On a bien compris, le jeu, il est mort, hein. il est mort de chez mort ce jeu. Mesdames et messieurs, il est temps de donner des petites notes. Des petites notes à notre jeu incroyable. Est-ce que ce jeu mérite-t-il une Golden Crotte? Et tout simplement de participer au Golden Crotte Awards de 2024 graphiquement sur 10, vous lui mettriez combien? Honnêtement, je lui mettrais 3 moi.
voire deux. J'y mettrai deux ou trois max en graphisme. Ouais, 2, 2, 2, 2 et demi, 3, 4, 2, 4, 2 et demi, 4, 3, 2, 4, 3, 4. Putain, vous êtes gentil, hein. On va lui mettre un petit 3. Ah, vas-y, vas-y. Moi, je lui mets un 3, perso, graphiquement. Ça ne mérite pas, ça ne mérite pas une crotte d'or, hein. Ça n'en mérite pas une. Bande son. Oh là là. Oh là là, la bande son. Ouah, 2 maximum. 2 maximum avec des sons saturés, des voix déglinguées. 0, 1, vas-y, 1. Mesdames et messieurs, moi, je suis d'avis de lui offrir une crotte d'or pour la bande-son. Pour moi, il mérite une crotte d'or pour sa bande-son. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Allez! Il obtient une première crotte d'or, mesdames et messieurs! Bravo! Mes félicitations! Bravo à vous! Le gameplay! Oh putain! Oh putain, le gameplay! Qui va aller de pair avec la rejouabilité. Oh là là là. Le gameplay, on est sur un petit... En fait, je peux pas lui mettre 0, parce qu'il y a des jeux d'horreur qui ont littéralement ce gameplay-là, et qui sont pas dégueux derrière. Donc, en soi, il a un gameplay... Non, mais en fait, le gameplay, il pue, quoi. Vas-y, tu sais quoi, 2. Pour moi, ça part sur un 2. Crotte d'or égale 0. Non, pas forcément. Ok, pour moi, le gameplay, 2, et la rejouabilité, par contre, c'est 0, hein. Pour moi, la rejouabilité, c'est 0, par contre. Hein. Genre, parce que tu meurs, tu recommences à 0, quoi, tu vois. Et niveau histoire, alors là, on est limite sur un moins 1, pour moi. On est presque sur un moins 1. Et alors, pour moi, personnellement, niveau story, on est sur quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que le jeu est tellement claqué en 12, y a rien qui va, y a rien qui est logique. Il prend une crotte d'or sur le game, enfin, sur l'histoire. Pour moi, c'est crotte d'or sur l'histoire. Mais, vu la gueule du gameplay... Je dirais qu'au niveau du gameplay, bah c'est un gameplay de jeu d'horreur un peu classico. Je peux pas me permettre. Par contre, il a absolument aucune rejouabilité. Ce qui fait que ce 0 lui octroie une crotte d'or. Ce qu'il fait donc un score de 3 crottes d'or sur 3. Il est donc sélectionné. Il est sélectionné pour le Golden Crot Awards. Oh putain. Oh putain. Il est sélectionné, mesdames et messieurs. 3 crottes d'or obtenues. Voilà. Et c'est donc la fin de ce retour de Merseller. J'espère que ce format vous plaît, mesdames et messieurs. J'espère que ce format de Merseller vous fait délirer. C'est du fun. On découvre des jeux de merde. Et maintenant, on se permet même de faire le Golden Crot Awards. Donc voilà. Ah, je suis content. Ah, je suis content.